pendant que nous sommes debout, nous allons prier pour les chaises qu'on nous a apportées. Et surtout prier pour les frères qui a dépensé de son argent pour nous faire asseoir. Nous allons tous ensemble dire merci à Dieu. Et que Dieu bénisse le frère qui l'a fait. Nzambe apambolande comme badi to mwasi oya sali ya bon. Précieux Seigneur, nous te disons merci Père pour le vouloir, la volonté que tu as placée dans notre cœur, qui a soutiré quelque chose de la table de ses enfants, quelque chose de leur ratio alimentaire, et il a accepté de le sacrifier pour acheter les chaises, une manière pour lui de soutenir l'œuvre, de soutenir ses royaux. Souviens-toi de cette œuvre, Seigneur, de cette action, que cela soit gravé dans les annales éternelles de souvenirs, et que sur la terre, il soit béni davantage. Bénis-le, bénis son foyer, et nous consacrons ces chaises, Seigneur, pour ton utilisation, pour l'utilisation du royaume, en ton nom, oui, il y a un nom dans le Seigneur éternel. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 19, 1 à 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pendant que vous asseyez, nous continuons la lecture. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que quiconque qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Nous sommes en train d'étudier la première alliance. Et nous avons appelé l'alliance parfaite. L'alliance qui a couvert l'espace de temps qu'on appelle le commencement. Et c'est alliance, c'est à cette alliance que Jésus dit de nous reporter. Il dit, reportez-vous à cela. Et nous avons vu que c'est au commencement qu'il y a la bonne réponse. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas la chute. Tout allait bien. Et c'était parfait. Alors là, il y avait la première alliance. Et nous, en ce temps, le Seigneur nous ramène à ses commencements. Pour que nous puissions vivre les mêmes caractéristiques. Comme l'Éden est restauré. Et les caractéristiques de la première alliance, nous les avons citées. Nous avons dit le premier caractère, c'est que dans cette première alliance, c'était une alliance que nous avons appelée d'un et une. Un homme et une femme. C'est ça le caractère premier de la première alliance. Et nous sommes arrivés au deuxième caractère. Dans la première alliance, il y avait égalité entre l'homme et la femme. Mais je vais reprendre encore à partir de là pour mieux clarifier. Parce que les femmes peuvent dire égalité signifie à la maison maintenant, ça devient terrible. Égalité, égalité ne signifie pas rivalité. Et c'est là où nous sommes. L'égalité entre l'homme et la femme. Malgré cette égalité, vous allez comprendre que lorsque Adam est venu et a été manifesté sur la terre, Ève n'était pas encore manifestée. Quand Ève ouvre ses yeux pour la première fois, elle voit les logos, l'ange du Seigneur, et l'ange du Seigneur l'a conduit chez Adam. Entre temps, Adam avait déjà nommé tous les animaux. Donc vous voyez que Adam avait une certaine prééminence. Adam pouvait dire à Ève que cet animal s'appelle terre. Donc Adam avait une conduite avant la chute. Adam conduisait Ève. Et dans l'Éden, William Branham dit, lorsque le soir arrivait, Adam disait à Ève, voici il fait, c'est le soir, allons à l'église. Vous voyez, c'est Adam. Adam avait une sagesse déjà. Alors, ce n'était pas qu'ils avaient presque la même conduite. Mais Ève était partie d'Adam. Mais c'est Adam qui connaissait les choses en premier. Sous la forme charnelle. Maintenant, cette égalité, nous l'avons dit la fois passée. Par rapport à l'application d'abord naturelle, nous avons parlé de deux applications.
Comment l'homme et la femme sont égaux? Dans l'application naturelle, écoutez, l'égalité est par rapport à l'alliance. Une seule et même alliance pour l'homme et la femme. L'égalité entre l'homme et la femme, retenez bien, et par rapport à l'alliance, c'est-à-dire, avant la chute, il y avait une seule alliance, et cette alliance s'appliquait à l'homme et à la femme de la même manière. Donc cette alliance n'était pas une alliance discriminatoire. C'était la même alliance pour l'homme, la même alliance pour la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que nous disons. L'égalité est par rapport à l'alliance. Une seule et même alliance pour l'homme et la femme. On va expliciter. Dans le mariage et le divorce, paragraphe 198, deux alliances, voilà qui clôt le commencement. Donc Jésus disait, au commencement il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une pour le produit dérivé. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création, a entraîné un changement dans toute la nature. Ce dont Jésus parlait, quand il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, ce n'est pas au. C'est maintenant, c'est après. Le commencement. Maintenant, il y a une alliance couple. Vous êtes avec moi? Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Vous voyez bien la phrase? Dans cette alliance qui était, c'était la même alliance pour l'homme, la même alliance pour la femme. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. J'attire votre attention. Regardez l'écriture de 198. Maintenant, après la chute, il y a deux alliances. Avant, il n'y avait qu'une seule alliance. Mais après la chute, il y a deux alliances. Regardez. On dit au commencement, il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour les produits. C'est-à-dire Adam. Et une pour les produits dérivés. C'est-à-dire Ève. Mais avant, il n'y avait qu'une alliance. Il s'était égaux par rapport à cette alliance.
Maintenant, il dit dans Christ,
Tu m'aimes. Et tous les restes. Mais
L'application spirituelle. 438. Le triple des saints de Dieu. Manifesté dans Adam et Ève, dans chaque prophète, à travers les arts, et dans celui qui doit venir, celui qui était, celui qui est, et nous, celui qui doit venir, la pleine manifestation. La révélation de la parole de Dieu. Adam et Ève vous rachetez. Il retourna à la maison. Dieu se révéla. Le dernier mystère. Nous devons voir Adam. Nous devons voir Adam. C'est ça l'égalité. L'application spirituelle. Qui est le pour? Jésus est l'homme. Et le pour c'est qui? William Branham. Lorsque je parle de l'église, l'église est un individu. Le dernier mystère dans l'histoire de la rédemption. Si on n'arrive pas au dernier mystère, on n'a pas saisi le message. Il faut qu'Adam et Ève originaires soient restaurés dans l'Éden et nous leurs enfants sont entrés aussi en Éden. Et Jésus a dit, c'est lui qui vaincra. S'assoira avec qui? S'assoira avec qui? Le vainqueur va s'asseoir avec moi. J'appelle ça le partage de trône. C'est lui qui vaincra. Mais s'assiera pas seul. Il fallait que Ève soit aussi loin.
bino. Qui est des enseignants. On va aller par la kiffi. Mais bon. Madame. Attendez un petit instant. Posez-moi ça, mon bouquet. Là. Voilà. De voir à quoi on a. N'arrive. Tomona na nini tu vas aller comme à l'écapo yango. Il s'agit ici. Ah, on est Zana. Toi. Y'a qu'on pas cool. Non, pas un nom. Et va mon touté. Qui? Nan yango. On doit en dire pas. Et tu ne vas pas connaître moi aussi. Yo, quand même. Prends-le, madame. Il s'agit ici. Ah, on est Zana. Moindre. Y'a qu'on pas cool. Non, pas un nom. Et va mon balité. Jésus. Jésus. Et nous sommes au temps de l'union de cette épouse.
Mais moi aussi, ma belle. C'est ça l'égalité. Il y a mon démocratie. Jésus devait tout déverser dans le pays. Yes, c'est cela qui a gagné à son pays. Pour ça, quel Jéhovah est-il? Oh, il y a ce Yoba dans la carte. Il a déversé dans son pays. À son pays, quand il y a mon anaïe. Et tout ce qui est le fils de Dieu. Oh, il y a ce mon anaïe. Il a déversé dans son pays. À son pays, quand il y a mon anaïe. Mais Branham a dit. Mais Branham a dit. C'est le pain qu'il a pour vous. Et c'est ce qu'il a sans dit. Dieu ne faisait pas vomir. Ils aiment la vie qu'on s'en a fait. Quand le Père, dans le tata, a donné tout ce qu'il avait, a perdu nos sorts à qui dans le fils, et Père n'est pas non. Ce n'est pas que le Père est mort. Il a vomi son intérieur. Attends, il a perdu mon âme. Et le fils prend. Et mon âme, mon père la suit. Il y a un prénom qui utilise le Père. Il y a un prénom qui est un homme. Kenos. Cocotte, c'est ton bon quoi. Kenos. Cocotte, c'est le déversement. Et Daniel, mon tour. Il écoutera. Viens, mon père. C'est ça l'égalité. L'application spirituelle. Amen. Et tout dans un corps humain. Lisons. Quand 436, Christ est révélé. Et le mystère de Dieu révélé. Christ est révélé. Et tout dans un corps humain. Lisons. Rachetant. Retournant avec lui. Avec lui. Et le connaît. Donc Ève retourna avec Adam. Et on a Adam et la maison. De retour à la vie éternelle. Bon, dans cette alliance, il n'y a pas de mort. On va terminer par ça. Donc, lorsque vous lisez la brèche, paragraphe 91, mais si vous avez tout coulé, vous avez un mot. La mort n'existe plus. Avant Adam, rien ne mourait. Je prends. Et quand la nature est légère, comme le dit la Bible, le quoi la matte, peut l'aider, le quoi l'idée d'aller colombayango. Soupir. Ça montre qu'il y a quelque chose. Les voilà qui s'est-il comme quoi ils allaient. Ils ne sont pas dans l'état dans lequel ils devraient être. Ils sont tombés de quelque part. Ça, on n'a pas besoin de personne pour nous l'interpréter. Vous voyez, en effet, bien sûr. Nous savons que c'est de la vie éternelle qu'ils sont tombés. Et ils ont perdu leur droit à la vie éternelle. Par la chute d'Adam et Ève, qui dans le jardin d'Éden sont tombés de la vie éternelle. Si vous vous rappelez de notre croquis, c'est la ligne là qui était bleue. Dans la mort, ils ont entraîné avec toute la nature qui leur était assujettie. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. Avant Adam, un animal n'aurait pas eu à mourir. Et il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir.
C'est Dieu. Parce qu'il est éternel. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort, c'est d'avoir en nous la vie éternelle. D'être des fils et des filles de Dieu. Lisons encore 93. Mais en mourant, comme je le disais, dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit de naissance et nous avons traversé la vie. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, attend quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Rien ne pouvait mourir. Rien. Même pas un arbre. Même pas un animal. Et nous sommes appelés à cette alliance. Nous ne devons donc pas mourir. Rien. Ça rend la chose compliquée. Mais là, écoutez, on va expliciter ça ce soir. Rien ne mourait avant la chute. Mais tout marchait dans un cycle parfait. Retenez ce terme cycle. Tout marchait dans un cycle. Rien ne mourait. Mais tout évoluait dans un cycle. Vous êtes avec moi? Vous en avez un? C'est pas le cycle. Nous venons de dire ici, même les arbres ne mouraient pas. Comment ça? Est-ce qu'Adam ne mangeait pas le pomme? Est-ce qu'il ne mangeait pas les herbes? Mais on dit que ça ne mourait pas. Vous êtes avec moi? Pourquoi? C'était dans un cycle. Et ce cycle, on appelle ça le courant de la vie. Le phase de la vie. Vitalité, ou le rythme de la vie. Regarde. Total. Au quatrième jour, tu as créé le soleil. Le soleil n'était pas statique. Depuis la création, le soleil était dans un cycle. Le soleil s'est levé. Le soleil s'est couché. Avant le péché. Avant la chute. Le pont tombé. Pomme d'Adam cueillait et mangeait. Le péché n'était pas. Il n'y avait pas la mort. Mais regardez comment Branham parle de cycle. En parlant du cycle, dans un paradoxe, paragraphe 27, le soleil s'élève et se couche. Pour démontrer la naissance, la mort, la résurrection. Amen. Il n'y a pas la chute. Pourquoi il s'appelle Zali? Vous ne croyez pas que le soleil se couche. Et c'est l'invité, le bon point, c'est l'invité, moi, et là. Le soleil ne devrait pas se couche. Parce que le fait que le soleil se couche, ça parle de la mort. Et que la mort est moi, et là, la tête est boutou et comme, il y a quand même l'Iwa. Mais cette mort, parce que l'Iwa est en moi, c'est différent et fini de la mort venue par la chute. La l'Iwa, on est en train de se faire. Amen. Suivez ma tête. Tout l'an d'Amalan. Le soleil se lève. Moi, je suis en train de se coucher. Et je l'ai là. Pour démontrer. On a contacté ça. La naissance. Mort à main. La mort, l'Iwa, la résurrection, l'Iste quoi, la naissance, Montama, la mort, l'Iwa,
la résurrection. Il sait quoi? Un cycle passé. Cycle. Tu as fait beaucoup de l'eau et ton guibé. Amen. Quel est ce cycle? Il faut que tu l'aimes à la naissance. Bon, ta main. Après, c'est quoi? Si mes amis, la mort. L'Iwa. Et là? Bénissez quoi? Branham appelle ça. Branham appelle qui? Un cycle parfait. Il faut que tu te fasses de là où est bon guibé. Amen. Un cycle parfait. Il y a un cycle bon qui peut te faire de la vie. Comment est-ce qu'on peut placer la mort dans le cycle parfait? La mort ici, c'est un mystère. La mort ici existait avant la chute. Et ce n'est pas la mort que nous connaissons aujourd'hui. Écoutez, l'été, l'hiver, l'automne. L'automne sera démontré parfaitement. La mort, l'assévérissement, la résurrection. La mort, l'assévérissement, la résurrection. Mais quand nous reviendrons, ça sera une nouvelle saison. Et quand la terre, elle est collectique. Complète. Oui, coquille. Je vais expliquer ça. William Branham parle même des petites fleurs. Dans laisser échapper la pression. Qui capenza pe maedima. À partir du grade. Et si ka moneni. Eh bien j'ai dit. Pe malamu na lobi. Eh bien si vous observez la petite fleur. Pe na malamu toko tali malamu fololo ya moke. C'était vers octobre. Izala ki pe nga su na sana zombi la zombi. J'ai dit laissez mort. Na mona ki bimbote. Nous avons maintenant la gelée. Et cela fait tomber le petit sément. Et là, la fleur est morte. Et les petites semences sont retournées à la terre. Et Dieu tient un service funèbre par ses pluies d'automne. Ces énormes gouttes de larmes qui tombent du ciel et qui les enterrent. Le fleur tombe. Dieu pleure. Ça donne la pluie. Mais la pluie, il dit que ce sont les larmes. Ah. Ça vient aux fleurs. Maintenant, écoutez. Et en traversant les Ketukis, quand je dis l'autre jour, sur le grand cercle qui sont les montagnes, il a déposé ses bouquets de pâtés, de feuilles rouges, brunes et jaunes. Vous voyez, et il est en deuil. À cause des petites semences qui sont mortes. Et il les a ensevelis sous la terre. Et il sait qu'aussi certainement. Il sait qu'aussi certainement. Que cette terre reprendra sa position par rapport au soleil. Et chacune terre. Ressuscitera. Mais. Ce n'est qu'un cycle par lequel il nous montre qu'il y a une résurrection. Et en fait, la résurrection, c'est le huitième jour. Le huitième jour, c'est le retour au bon. Le cycle. Au temps te fait je sais que ça ne s'arrange pas, ça va. Mais tu es en compte à c'est pour totalement. Paragraphe 8. Et bien, observons le soleil. Mais totalement, il est né le matin. Et pour terminer, c'est un petit bébé quand il est né. Et moi, il est censé réchauffer la terre. Et ressusciter les semences qui sont en terre. Mais à ce qui se met et aux environs de 8 heures, voilà, il commence l'école primaire. Et aux environs de 10 à 11 heures, il termine. Il a
reçu son instruction. Voilà, à midi, c'est le soleil, il parle du soleil. Il a l'âge moyen. À 14h, il a mon âge. À 17h, c'est l'âge de mon père et de la soeur qui est là au fond. Et un moment après, cette glorieuse créature qui a éclairé la terre et qui a accompli les desseins de Dieu meurt et là à l'ouest. Est-ce sa fin? Oh, Il renaît. S'élève de nouveau le lendemain matin. Voyez-vous, Dieu dans chaque phase. Regardez. Avant la chute, il posait le soleil s'est levé. Moi était le soleil s'est couché. Et moi était là. Et William Branham dit. Adam disait même. Adam a un peu le bain. Il fait soir. Il faut une apôtre. Allons prier. Donc il est commandé. Et puis Branham dit. Et la nuit, Adam et Ève dormaient. N'a pas tout Adam n'a et Ève balade. Dieu venait. Les observer. Ah, là, ah voilà. Il les observait. Ah, ça la bango balade. Il dit que le soleil s'est couché. Donc on va être moins et d'aller coller. Oh, le soleil s'est couché. Donc on va être moins et coller là. Typifie quoi? Parce que en Éden, les mangues étaient seulement branchées là sur le mangue. Puisque la mort n'existait pas. Donc les mangues restaient seulement là. Ils ont pour la terre. Tout était dans un cycle. Adam prenait ça. Il mange. Lorsque vous mangez une chose, vous avez tué cette chose. Sa vie là. Et ce cycle là, ça n'a rien à voir avec la mort. L'homme doit être dans ce cycle. La mort dans le cycle normal n'est pas la mort provenue de la malédiction. L'éternité est un cycle sans fin en forme de cycle. Chers amis, réfléchis à ça. L'éternité. C'est qu'on a dit. C'est comme ça. Et alors pour la libombo. Regarde. On met ici comme si l'été se commençait. Tout est à alors qu'on est parti. Vous êtes là. Vous rêvez là. Vous rêvez là. Vous en dites tous. L'été presque en bêta, non? Et comme il n'a pas mon tout mis. Mais voilà, dit l'éternité, c'est ça, c'est l'escalade. Mais il y a quelque chose que j'aimerais attirer, j'aimerais attirer notre attention à cela. Et ça, c'est l'autre mot qu'on a limité dans Benda. Bon, quelqu'un a mis son temps sur la Yahoo. Disons d'abord. Tout en Manaï. La loi qui possède une homme. Mon père connaît ça, elle est limitée. 23. Tout le monde a mis ça. Pensez-y. Bon, Banzani. Le monde. Mon Kili. Pendant qu'il tourne dans son cycle, c'est l'éternité. L'éternité est tout simplement comme un cercle parfait. Cela n'a ni point ni fin. Si je commençais à décrire un cercle parfait ici ce soir, en faisant le tour,
autour de ces pupilles. Il explique les intentions. Je suis ici. Je suis encore là. Je rentre. Je suis encore là. Si je commençais à décrire un cercle parfait ici ce soir, en faisant des tours et des tours autour de ces pupilles, écoutez maintenant, ces cercles pourraient dépasser le pupitre. Gloire à Dieu. Quel bon ensemble. Si je commence à tourner en vitesse, ce qui n'a pas à un certain moment, je serai ici. N'attends pas la après, je serai là. En tournant, ça donne le fait ressort. Et regardez, il commence ici. Il tourne. Après un moment, il dit quoi? C'est ça que pourrait dépasser le pupitre. Le qui s'appelait le calibre. Après, en tournant là, il va dépasser même la salle. Et pendant des milliards d'années des années et des aignons de temps à venir, il continuerait toujours à s'étendre. C'est ça que le parfait sans fin. C'est ça les signes. Il y a un remarquez. En tournant. Et en fait, dès que j'ai fait le premier tour, je rentre au commencement. Mais mes pieds devaient être au-dessus. Quand je fais le deuxième tour, je rentre ici. Je fais le troisième tour. Je rentre au commencement. Ce qui fait que ce n'est pas le même commencement. C'est au commencement. Mais dans une dimension supérieure. Je tourne, je rentre au commencement. Je vais le dire d'une manière encore beaucoup plus claire. Est-ce que vous savez que toute votre vie vous faites que tourner? Aujourd'hui nous sommes quand? Nous sommes quand? Vendredi. Vendredi, hello. On va aller samedi. Samedi ou dimanche? Vendredi. Vendredi, Jésus. On va encore. Donc, quel Jésus? Vendredi. Est-ce que vous le savez? Bon, mais votre vie. Bon, mon ami, le fait de tourner. La terre ici. Ma télé, le fait de tourner. Et donc, ma loupe, ça tape. Regarde. Mais quand on va arriver, je prends par année. Moi, je suis né le 6 octobre. On a monté les jours. Le 6 octobre 67, je suis ici. C'est mon commencement. Le 6 octobre 68. Je suis encore. Mais regardez. Entre-temps, je ne vivrai pas les mêmes expériences. Ça ne sera pas le même jour. Je vais monter. Et je monte comme un ressort. Je monte tout en montant. Ce qui fait que tu rentres à ton âge.
à ton mois, na busanza na yo, à ton jour de naissance, na kola eux, au bout de même 6 octobre, mais j'ai les cheveux blancs. Kasi ngai na koti yango na suki ya pepe. Et le 6 octobre 1970, kasi na 6 octobre 1970, je n'avais pas les cheveux blancs. Na kola suki ya pepe. Nous tournons en montant. Tozo maluka kama na tozo mata. Et cette montée est illimitée. Bongo bo mati yango ezangi suka. Cela veut dire, quand vous quittez ici, vous avez un autre commencement. Mais dans une dimension qu'on appelle la dimension de corps l'eau. Kasi na bosanda o babengi nzoto ya kembo. Vous êtes dans un cycle normal. Ozali na bosanda o ya malamu. Vous devez partir comme ça. Vous n'allez pas empêcher la chenille à devenir papillon. On va péter des bisous et aller pour vous. Vous n'allez pas empêcher la chenille à devenir papillon. On va péter des bisous à bon moment. On va pas pouvoir comme aller pour vous. Dans son cycle de vie. À un certain moment. Na bosanda mon. Il va rentrer dans son commencement. Mais un commencement qui est supérieur au premier. Quand il ébandelé, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Mon commencement, je réponds. Mon commencement, c'est le 6 octobre 1976. Mais la fois passée, je suis encore retourné au 6 octobre. Bon, on a dit que c'était 2019. Mais là, c'était 2019. Mais je suis revenu le 6 octobre. Voilà pourquoi lorsque j'avais dans les notes de musique. On a toujours dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu m'as pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, on n'est pas ça. Papa, côté. Faites un peu doré, mi là. Bon, t'es faux. On s'en va plus. Comment doré, mi, on a dit. On va sentir le premier do. Toyoka, do, y'a les bosso. Et le dernier do. Pé, do, y'a souk. Alors j'ai voulu faire ressortir ça par ces croquis du ressort. Voilà l'éternité. Ce n'est pas les cercles comme ça. Sinon si c'est comme ça. Quand nous allons rentrer là, les serpents viendront encore pour nous séduire. Nous allons encore manger le fruit. Jésus vient encore. Zanga Soka.
Si tu te mets à réfléchir l'éternité au bien là. Réfléchis seulement toi qui es éternel. Sans fin. Tu n'as pas de fin. Et si tu n'as pas de fin, ton cerveau ici n'a pas la capacité de saisir ça. Et ça m'a conquis de même pifo. Branham vous a aidé. Branham a conquis de ce pays. Et on a lu la dernière écriture. Donc, il y a comme un souk. Avec le tableau du ressort qui est là. Dans le tableau du ressort, ils ont mis là. Ça va vous aider maintenant à comprendre la loi qui possède un homme. Mon père, pour les années d'ici. Voilà ce que nous avons lu, paragraphe 23. Pensez-y. Bon, bonnes années. Le monde. Pendant qu'il tourne dans son cycle, c'est l'éternité. Amen. L'éternité est tout simplement comme un cercle parfait. Cela n'a ni point ni fin. Si je commençais à décrire un cercle parfait ici ce soir, en faisant des tours autour de ses pupilles, ces cercles pourraient dépasser le pupitre. On tourne autour, vous allez vous retrouver au premier niveau. Regardez. Ces cercles pourraient dépasser le pupitre. Cela pourrait dépasser la salle. Vous tournez. Et cela pourrait dépasser la terre. Donc vous allez jusqu'à Vénus, Mars. Et pendant de milliards d'années, et des éons de temps à venir, il continuerait toujours à s'étendre. Et pourquoi pas tant on y a son confond moi ma foi à mon nez. Les raisons vont toujours continuer à. Mais on va être limité à la gare au combat pour qu'elle ne l'écoute. Si nous avons mis, nous avons limité ici, mais c'est faux. Donc prenez ces raisons, amenez-la jusqu'à l'infini. Zoar et son rôle. Pédé à mon qui n'en a tout. Amen. Même ici. Attends, on va l'infini. Et qu'il va être dit sous, quand on va être sous, nous sommes retrouvés ici en Genèse. Tu vas dire, ah, on a yéné ça. C'est ton homme qui va. Un commencement. Voilà, et maintenant, on se retrouve. Branham dit. Quand tu as dit la terre était informe, lui. T'as qu'on s'appelle qui m'a payé dans qui l'on l'a fait pas. Il dit, il y avait des semences. Avec une bonne mise en qui étaient des vestiges. Oui, ça va être qui fait ça, ma fille. Bah, il y a dit qu'à la. Des civilisations anciennes. Et ça va être qui des mythiques. Il y a pas de robe à pique en calme. Et il est dit dans le saut. Alors, bien, on casse la bille. Parce que tu es éternel. Alors, dans ce cycle-ci de prise de conscience, donc, de la conscience de l'être, tu sais que tu es. En quittant ce cycle, tu y vas avec la conscience d'être. Yo, okay, mais là, moi, il y a vos alliés. Tu sauras que c'est moi, Albert. On peut mettre un gagné de vos Albert. Comme dans la sixième dimension. Le parabolstan d'un mot tombe. Voilà ma reconnu les gens. Voilà ma yéba qui bat tout. Voilà la mort qui n'existe plus. Dans la loi, eux, ils allent tout souci. Cela ne signifie pas lorsque vous amenez un frère l'enterrer, vous dites que vous avez dit que la mort n'existe pas. Comment vous enterrez? Ce n'est pas ça. Ça, c'est le cycle normal de. Pour le croyant, Abraham dit,
première année. Première année. Primaire, deuxième année. Oh, que là, troisième année. Sixième. Tu recommences à vos premières années. Tu es rentré au comment? On doit jouer à première année. Première année, c'est la première année. Première année, c'est la première. Supérieure. Quand toi tu quittes l'autre rentre, Dieu vous dit une chose. Dans ce cycle, personne n'est à l'avance et personne n'est en retard. Amen. Dans ce cycle, mon travail est monté, mon travail est monté, mon travail est monté. Oh, je commence à vieillir. Oh, on a fait mon bagage, puis la vie comme il m'a. Je suis en train de me faire. Yo, tata, vous collez ma tête, vous collez au point de la maternelle, vous donnez la pote. Ah, vous mettez pas une maison à la gardienne. C'est ça. Comprenez que tu avances et on ne recule pas. Surtout, c'est en quel ils vont donc. Moi, quand on va s'y mettre. Au moment venu, tu entres dans la résurrection. On continue à analyser quoi. Tu disparais d'ici. On lit moins à moi. Et ce n'est pas la mort. Moi, je ne vais pas lire à moi. C'est une bénédiction. Et Zali Pamboli. Amen. Amen. La mort, c'est-à-dire la mort du péché. La mort, c'est le péché. L'Iwa. La mort, c'est l'incrédulité. L'Iwa et Zali Soumo. L'Iwa monte avec elle. L'Iwa et Zali Pomé t'alterne. Et quand nous chantons que la mort a disparu, quand tu aimes que l'Iwa maintenant est libre, ne doutez pas. Pomé t'alterne. La mort a L'Iwa est libre. Quand le frère s'en va, c'est le doux chariot. Donc dans la première alliance, le soleil s'est couché, mais il n'y avait pas l'amour. Les herbes tombaient, il n'y avait pas l'amour. Je ne dirais pas qu'est-ce qui pouvait arriver à Adam. Quand je prêchais ça quelque part, un frère de Brazzaville m'a posé la question. Donc tu lui dis qu'Adam maintenant allait mourir ou quoi? Est-ce qu'il... Moi je dis la mort n'existait pas. Alors, bah, tu l'as dit, bon, t'as voté. Adam devait être dans son cycle, non? Non. Ah, t'es maintenant tout à côté. Ah, mais c'est quelqu'un qui a la nature, il a le corps naturel pour avoir le corps glauque. Il t'a dit, ah, tu es quand d'autres y a mon souli. Il y a quand d'autres y a tempo. Il y a le corps terrestre. D'autres y a ma béni. Il y a le corps céleste. D'autres y a l'icône. Ce sont des cycles de corps et il y a le corps glorifié. Il y a moins d'années, t'es de là et avant moins d'années dans d'autres y a tempo. Voilà. Et le dimanche, nous allons toucher. Pourquoi le sexe n'était pas d'application? Pourquoi la lumière était possible? Pour les autres, il y a moins de moments les gens qui n'ont équilibré. Aujourd'hui, nous avons fini avec le premier caractère 1 et 1. Les autres aussi, ici, dans l'état de la liberté, pour pas les moments comme moi, Simon. L'égalité entre l'homme et la femme. Pourquoi quand les candidats ne sont pas les moments aussi? Et aujourd'hui, la mort n'existe plus. Les lois d'Iwa et la catégorie de la première alliance. Il y a un mot de mon nom, Kani. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un est comme ma femme. Thank you.
Thank you.